Le Burkina Faso, pays du Siao et du Fespaco, au cœur de sa capitale Ouagadougou, Safari, Safari Productions. Production. Son studio La Griffe répond aux normes internationales avec des ingénieurs de son et des arrangeurs qualifiés. Safari Productions, c'est en outre sa salle de montage vidéo, répondant aux standards internationaux et un équipement haut de gamme. Les vidéos de Safari Productions sont conçues de telle manière à être rythmées, parfois décalées, pensées pour ne jamais être ennuyeuses ou trop longues. Actuellement, réalisez votre rêve en enregistrant un album à partir de 40 000 francs CFA et faites votre vidéo à partir de 75 000 francs CFA. Pour toutes vos productions audiovisuelles, contactez Safari Productions situé au quartier d'Agnouin ou appelez au 78 88 86 80. Safari Productions, la qualité et l'excellence à moindre coût. Thank you.
compare. Repousse ou elle me semble. Et surtout, bienvenue dans Showbiz. Vous vous dites sûrement qu'est-ce qui se passe cette semaine. Ne vous inquiétez pas, c'est que du bon pour vous. C'est parti donc pour vos informations concernant nos pupilles. Les nouvelles du comédien Django Ney ne sont pas du tout bonnes. Il y a quelques semaines, il souffrait déjà le martyr. Vieux Kokore continue de souffrir et dernièrement, les choses se sont tellement aggravées qu'on lui a posé une sonde. Une tumeur découverte dans sa vessie l'empêchait de faire ses besoins par les voies naturelles. Mais mardi dernier, les médecins ont jugé que la sonde était trop petite. Alors, Django Ney a dû se rendre au CHU de Cocody pour qu'on lui pose une autre sonde, plus grande. Tout ceci, selon nos confrères ivoiriens, n'est qu'une mesure transitoire en attendant l'intervention chirurgicale qui pourrait sauver la vie de Django Ney. Lors d'un déplacement à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, et ce pour relever de sa présence le bal de fin d'année d'un lycée de la place, le véhicule de DJ Kejevara, Meteor Man, a été percuté par un autre appartenant à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Heureusement que les dégâts ne sont restés que matériels et qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Kejevara était accompagné de ses amis, mais aussi de son manager. Tous ont immédiatement repris le chemin d'Abidjan pour oublier cette mauvaise passe, selon nos confrères ivoiriens. Vous vous souvenez sans doute de cette Miss qui a trébuché lors de l'élection Miss Côte d'Ivoire et qui est devenue célèbre au point de ravir la vedette à la Miss Côte d'Ivoire 2012. Nos confrères ivoiriens nous ont appris que la candidate numéro 15 refuse d'aller à l'école depuis sa chute à la finale nationale du concours Miss Côte d'Ivoire le samedi 2 juin dernier. L'étudiante en deuxième année de droit, Folken Erika, ne se présente plus à son école où elle devait composer pour la deuxième session. Apparemment, elle n'a
n'a pas bonne presse auprès de ses camarades étudiants qui vont jusqu'à se moquer de cette dernière. Et Yako, ma sœur. Si vous prenez l'envie de faire venir Beyoncé au Burkina, eh bien, apprêtez-vous à débourser 2 millions de dollars américains, soit environ 1,6 million d'euros. Nous avons fait la conversion en francs CFA, mais nous ne pouvons pas le dire ici, tellement c'est énorme. En fait, les 24 et 25 novembre prochains, les National Sport Awards d'Afrique du Sud devraient accueillir une invitée de marque, Beyoncé. La chanteuse américaine a été invitée par le ministre des Sports pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de cet événement qui récompense les meilleurs sportifs du pays. Le problème, c'est que la venue de Beyoncé a eu un coût, 2 millions de dollars US. Cette somme sera assumée par les contribuables et les sponsors, ce qui n'a pas été du goût de tout le monde dans le pays selon un site internet ivoirien. Sur les réseaux sociaux et particulièrement Twitter, ce sont les Sud-Africains qui se sont indignés. Certains évoquent le fait qu'une telle somme devrait être consacrée au développement du pays. D'autres insistent sur le fait que ce sont des artistes locaux qui devraient être mis en valeur lors de la cérémonie. Justin Bieber a été contrôlé par la police et été verbalisé pour gros excès de vitesse à bord du bolide Fisker Karma, reçu en cadeau pour ses 18 ans au mois de mars. L'infraction a été commise sur la fameuse route 101 au nord-ouest de Los Angeles, près de Golden Water Canyon. Il conduisait comme un fou, il se faufilait dans la circulation alors qu'il n'y avait presque pas d'espace entre le véhicule, changeant constamment de voie, rapporte un porte-parole de la police californienne, faisant état d'une vitesse avoisinante les 160 km/h. C'est 90 km/h au-dessus de la limite autorisée sur cette route. À l'occasion de son 69e anniversaire qu'il a célébré le 15 juin dernier, Johnny Hallyday a reçu une superbe guitare. Alors qu'il s'apprêtait à allumer le feu sur la scène du stade Chaban Delmas à Bordeaux, le chanteur a constaté le vol de sa précieuse guitare. Non seulement l'instrument lui est indispensable, mais il possède également une certaine valeur sentimentale puisque c'est son manager et son équipe qui la lui ont offerte. Le vol aurait été commis alors que la guitare était posée sur une caisse se trouvant sur la scène. Peu après avoir constaté le délit, Johnny Hallyday a chargé son producteur de déposer une plainte au commissariat central de Bordeaux. Les interrogations persistent. Comment quelqu'un a pu s'introduire dans l'enceinte du stade, très bien gardée? Ce geste est-il celui d'une groupie ou d'un petit malin qui chercherait à la vendre à un prix d'or? That is a question. Page triste de ce numéro, c'est avec consternation et tristesse que l'on a appris la semaine dernière la mort à l'âge de 47 ans de l'acteur Mousse Diouf, après s'être courageusement battu depuis près de 3 ans contre deux accidents vasculaires cérébraux dont il avait été victime en 2009. Mousse Diouf est décédé à l'âge de 47 ans. Rendu très populaire par son rôle qu'il interprétait dans la série policière Julie Lescaut, l'acteur né à Dakar au Sénégal avait débuté sa carrière en tant que boxeur, puis en apparaissant dans divers films. Voilà, c'est donc avec cette page triste qu'on va se quitter. On se donne rendez-vous très très prochainement pour un autre numéro de Showbiz. Non,
yela wena mi mambe kumabo tebo ngala tebo ti bena yinele mama mostra komu goti jetu werela jeti yina ma tebo ngala tebo ti bena yinele mama otunda tumbi fuiku winga patali tumbi fuiku tebo jintu wena yala naba kusunda tafa funa baba What to live, what to live, what to live.